Écoute-moi, dit le Seigneur, prête-moi ton attention, mon peuple, prête-moi l'oreille et tu vivras, dit le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous voyez sur le tableau les lectures, nous aurons plusieurs versets à lire dans l'Évangile de Luc, en commençant à Luc 5, 15 et 16, à la page 70 dans notre Bible ici, si vous avez la même version que moi. Avant d'écouter ces lectures, nous prions le Seigneur. Merci, bon Père éternel, d'éclairer nos vies, nos âmes, nos cœurs de ta lumière bienfaisante, chaleureuse, admirable. Merci qu'à tous les jours, tu œuvres dans tes bien-aimés. Pour les guider sur le chemin de cette vie qui passe si vite et dans laquelle tu nous appelles à te servir, à nous réjouir en toi et à vivre dans ta joie et ton allégresse. Aide-nous ce matin, nous t'en prions, alors que nous nous préparons à écouter ta parole, à la recevoir avec des cœurs débordants de reconnaissance, des cœurs désireux d'harmoniser notre vie sur ta volonté. Fais du bien, nous t'en prions Seigneur, à chaque personne ici présente ce matin. Tu vois où chacun en est rendu dans son pèlerinage ici-bas. Nous te supplions de nous renouveler dans notre foi, notre confiance, notre obéissance et notre joie de t'appartenir. En Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Écoutons donc ce premier texte en Luc 5, 15 et 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Un deuxième texte en Luc 6, les versets 12 à 16 à la page suivante la page 71 Luc 6 12 à 16 En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtres Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint traître. Et puis nous avançons dans l'Évangile de Luc toujours au chapitre 22, la page 98. Luc 22 les versets 39 à 46. Texte qui nous conduit à Gethsemane, Luc 22, 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit Priez afin de ne pas entrer en tentation. Puis s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et il leur dit, Pourquoi dormez-vous Levez-vous, priez afin de ne pas entrer en tentation. Et puis le dernier texte, chapitre 23, Luc 23, versets 33 à 34, à la page 100. Luc 23, 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit... Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et puis le verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Combien de textos envoyez-vous ou recevez-vous chaque mois, disons? Un article de journal racontait qu'une adolescente de 15 ans a envoyé et reçu 6473 textos en un seul mois. Et elle a dit en parlant de ces communications-là avec ses amis Sans mes textos, je mourrais. Et elle n'est pas la seule à penser ainsi. Une grande étude a révélé que les adolescents en Amérique du Nord qui possèdent un téléphone portable reçoivent en moyenne 2200 textos par mois. Ça veut dire 75 par jour. C'est beaucoup de textos. Combien de textos avez-vous envoyé à Dieu par la prière? La Bible nous dit, priez sans cesse. Ça ne nous dit pas évidemment texter sans cesse, mais prier sans cesse par l'exercice de la prière quotidienne tout au long de notre existence et de nos journées. Nous avons le privilège et le bonheur de pouvoir vivre dans la communion, la communication continuelle avec notre Dieu. Ce matin, nous allons considérer la vie de prière du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, dans l'Évangile de Luc. C'est un sujet passionnant et nous pouvons tirer plusieurs leçons de la vie de prière de notre Sauveur. Je dois quand même faire une mise en garde très importante en commençant cette prédication. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas que Jésus est un modèle et un exemple à suivre. Point. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Pour nous, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est notre justice. Il a pris sur lui l'entièreté de nos transgressions contre la loi de Dieu et il nous a donné sa justice, de sorte que nous pouvons avoir la certitude maintenant que Dieu nous aime éternellement et qu'il ne nous rejettera jamais. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vais le redire en d'autres mots. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que toutes les fautes qui étaient, disons, inscrites dans notre compte ont été transférées dans le compte de Jésus. Et la parfaite justice du Fils de Dieu a été transférée à notre compte et à notre nom, de sorte que nous pouvons maintenant vivre dans la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, la grâce de Dieu. L'espérance qui est en Dieu, ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ayant clarifié ce qu'est la bonne nouvelle, maintenant il y a une place en tant que chrétien pour dire, oui, le Seigneur Jésus-Christ peut être à bien des égards un modèle pour nous, un exemple à suivre à bien des égards. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous allons regarder la vie de prière du Seigneur Jésus et en tirer quelques leçons pour nous. Bien sûr, le Seigneur Jésus est différent de nous et le but de sa venue parmi nous, sa mission était d'expier les péchés de son peuple et nous nous ne pouvons pas suivre son exemple dans ce domaine-là. Évidemment, il y a personne qui peut le faire et aussi on pourrait dire la vie de prière de Jésus était quand même aussi différente de la nôtre parce que Jésus lui par exemple, n'avait jamais à offrir des prières pour confesser ses péchés, parce qu'il n'avait pas de péché, alors que nous, c'est une requête que nous faisons chaque jour pour que Dieu pardonne nos péchés. Mais ceci étant dit, il ne faut pas oublier que Jésus était l'homme parfait par excellence. Son style de vie, sa vie, l'orientation de sa vie, et le guide parfait pour nous, pour nous aider dans notre vie nouvelle, nous qui sommes appelés à la perfection. Et ce serait insensé de dire non, il n'y a aucune, aucune leçon possible qu'on peut tirer de la vie de prière de Jésus. On ne peut pas dire ça, au contraire. Jésus lui-même a exhorté ceux qui le suivaient à le prendre comme exemple. Ce texte, par exemple, de l'Évangile, je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait, que vous fassiez comme moi j'ai fait. Je pense à l'apôtre Paul en Romains 8 qui dit :« Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'ils soient le premier-né d'un grand nombre de frères. » Nous sommes prédestinés, nous sommes appelés par Dieu à devenir semblables à l'image de son Fils. Nous serons. Parfaitement à l'image de son Fils lors de la glorification au jour dernier, mais maintenant nous sommes dans ce processus de transformation à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ, donc on appelle la sanctification. Je pense encore à cette parole de Paul aux Corinthiens, il dit Soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur du Christ. Le but de Paul, c'était de ressembler à Jésus. Il dit à ceux à qui il écrit aux chrétiens, Ressemblez, ressemblons à Jésus, nous aussi. On pourrait penser aussi aux paroles de Paul en Philippiens 3, Mon but, c'est de devenir conforme à Christ. Et il dit aussi dans la même épître, Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Devenir conforme à Jésus, penser comme Jésus pensait. Pierre va aussi dans cette même ligne lorsqu'il dit, Le Christ vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Suivent les traces de Jésus et finalement l'apôtre Jean qui dit Celui qui déclare demeurer en Dieu doit marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Tous ces versets donc nous nous encouragent, nous stimulent à regarder la vie de Jésus et à tirer pour nous des leçons. Surtout ici par rapport à sa vie de prière. Le commencement officiel de ce qu'on appelle le ministère public de Jésus se fait lors de son baptême. Nous lisons en Luc 3, Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et il vint une voix du ciel, Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. C'est une situation unique, absolument exceptionnel le baptême de Jésus. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir une belle image de ce que c'est que la prière Jésus prie, Dieu ouvre le ciel et fait descendre le Saint-Esprit. Augustin a dit, Dieu veut nous donner ses grâces, mais il ne les donne qu'à celui qui les lui demande. Dieu nous ouvre le ciel en réponse à la prière. La prière pour nous est le moyen par excellence dont nous disposons pour recevoir d'en haut les grâces dont nous avons besoin pour pouvoir glorifier notre Dieu et pour le servir. Donc, à son baptême, au moment où le Seigneur Jésus s'insère en quelque sorte dans cette humanité qu'il est venu délivrer, alors qu'il se solidarise avec nous dès le début, nous le voyons en prière et nous, le, nous allons le voir en prière tout tout au long de la suite de son ministère terrestre, en prière toujours, jusqu'à la fin, ce qui va lui permettre de remporter la victoire et d'accomplir sa mission colossale, au-delà de tout ce qu'on pourrait penser d'une façon euh, fructueuse. Nous avons nous aussi besoin, absolument besoin, de la prière pour pouvoir accomplir ici-bas maintenant la vocation que le Seigneur nous a adressée la mission qu'il nous confie, pour pouvoir le servir, nous avons absolument besoin de la prière qui nous permet de recevoir ses forces, sa direction, ses lumières, sa consolation, tout ce dont nous avons besoin, ses ressources pour accomplir notre mission. Après son baptême, Jésus s'engage dans une vie publique. Au début de sa vie publique, il choisit. Des apôtres, nous avons lu ce texte. Comment fonctionne-t-il pour se choisir des apôtres? Va-t-il passer des gens en entrevue comme le fait un employeur de nos jours pour engager quelqu'un? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Luc 6, 12 et 13, nous avons lu. Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Pour choisir ses douze apôtres, pour prendre cette décision capitale qui va avoir un impact sur toute la suite de son ministère et de l'histoire de l'Église. Jésus prie une nuit entière, il s'approche de son Père, il veut faire la volonté de son Père, il veut recevoir de Dieu son Père de là-haut les instructions, la lumière dont il a besoin. Et bien sûr, dans une nuit entière de prière, il y a de la place pour beaucoup de choses, beaucoup de requêtes. Et sans doute que Jésus a pris le temps pour prier aussi spécifiquement pour chacun de ses apôtres qu'il choisissait, de sorte qu'ils puissent accomplir leur mission selon la volonté de Dieu. Avez-vous déjà pensé à l'importance du choix des douze apôtres pour toute l'histoire? de l'Église. Jésus, lui, savait, connaissait très bien l'importance de ce choix-là et c'est pourquoi il a, on pourrait dire, enrobé ou baigné ce processus dans une nuit de prière. Nous avons besoin, nous aussi, pour travailler utilement à l'œuvre du Seigneur, de considérer la prière comme étant quelque chose d'extrêmement important parce que c'est à travers... La prière réelle et sincère que nous offrons à Dieu, que Dieu nous envoie, ses secours réels, la clarté dont nous avons besoin, la victoire sur euh, les luttes contre certaines faiblesses, c'est dans la prière que, que se font les grandes obéissances à Dieu pour tout ce qu'il demande de nous. Quelle différence énorme peut faire la prière lorsqu'elle est vraiment prise au sérieux dans une vie et dans un témoignage et quand on regarde jésus on est, on est encouragé stimulé à prier petit à petit jésus devient très populaire la bible dit que sa renommée se répandit dans toute la région et quand la renommée se répand ça cause des journées très chargées parce que beaucoup de monde qui veulent aller à jésus jésus allait de lieu en lieu dit Acte 10, 38, il allait de lieu en lieu en faisant le bien, constamment. Évidemment, tout ça était très exigeant. Nous avons lu en Luc 5, 15 et 16, sa renommée se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéries de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Est-ce que ça veut dire que Jésus refusait de guérir le monde? Non, non, non. Les évangiles sont remplis de guérison, de délivrance que le Seigneur Jésus opérait. Mais il savait très bien aussi que c'était nécessaire qu'il se retire pour prier, pour épancher son cœur devant Dieu, son Père, pour recevoir des forces de la part du ciel, des forces physiques pour son corps, des forces spirituelles de toutes sortes. Et il avait recours donc à ce moyen pour être fortifié pour être en mesure de remplir adéquatement ses responsabilités colossales, parce que la pression était énorme sur lui. Le Nouveau Testament nous dit que parfois Jésus n'avait pas le temps de manger, mais jamais le Nouveau Testament nous dit que Jésus n'avait pas le temps de prier. Nous nous pensons souvent que nous n'avons pas le temps de prier dans nos journées parce que nous sommes trop affairés, trop occupés, nous avons tellement... De responsabilité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais Jésus lui savait très bien, bien qu'il était très affairé lui aussi, l'importance cruciale, fondamentale de la prière. Et donc, avant des journées, avant ces journées harassantes et après ces journées fatigantes, il trouvait le moyen de prier. Ces journées étaient, oui, fatigantes. Il y avait tous ces malades qui venaient à lui, toutes ces personnes qui avaient besoin de délivrance. Vous vous souvenez d'une femme un jour qui allait à sa rencontre, qui était malade depuis 12 ans, Jésus l'a guérie et Jésus a dit, une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Il y avait les apôtres aussi qui constamment ne comprenaient pas ce que Jésus enseignait. Jésus devait toujours leur expliquer. Les choses. Il y avait les pharisiens, les scribes, les divers ennemis qui tout le temps étaient là pour le piéger et même parfois pour le menacer de mort. Ça ne devait pas être évident à vivre. Il y avait les démons à expulser. Ça, c'est plus difficile que faire la vaisselle. Il y avait tous ces voyages, toutes les personnes à rencontrer, toutes les tensions qui étaient là devant lui. La pression pouvait devenir insupportable. Mais continuellement, nous le retrouvons dans les évangiles en train d'aller se retirer pour prier, se fortifier en son Père, se rafraîchir, disons, dans les forces que donnait Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus s'est retrouvé un jour sur la montagne de la transfiguration? Luc 9, 28 nous dit, Jésus était monté là pour prier. En Luc 18, 1, Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. C'était ce qu'il nous disait, c'était ce qu'il disait à ceux qui étaient devant lui, mais c'était aussi ce qu'il démontrait par sa vie. En Luc 22, 32, Jésus dit à l'apôtre Pierre, J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Pouvez-vous imaginer un encouragement plus colossal, plus formidable que celui-là? Jésus qui dit à Pierre, J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Jésus n'a pas prié seulement pour Pierre. L'apôtre Paul écrit en Romains 8, 34 Le Christ Jésus est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans toutes les difficultés, les orages, les vents que nous pouvons rencontrer, nous savons que Jésus prie pour nous pour amener à destination notre salut. Allons maintenant retrouver notre Sauveur alors que son ministère terrestre tire à sa fin. Quelle grande place la prière occupe aussi. Allons à Gethsemane. Le mot Gethsemane veut dire pressoir à l'huile. À Gethsemane, Jésus est pressé par toutes sortes de tensions, de pressions et de ténèbres. Il est saisi d'angoisse et de tristesse. Nous avons lu tantôt que des grumeaux de sang tombaient à terre. C'était que sa soeur était comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se jette la face contre terre à Jethsemane. Il crie, et il pleure, et il supplie, et il prie. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux, à trois reprises, il fait cette prière. Dans plusieurs domaines de notre vie, nous devons reconnaître que nous avons encore de la misère à faire la volonté de Dieu, à vouloir la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin, nous aussi, d'avoir des prières qui s'orientent dans cette direction-là parfois. Seigneur, aide-moi à vouloir ce que tu veux. Crée en moi le vouloir et le faire. Donne-moi la grâce, je t'en supplie, de diriger ma vie. Dans ta volonté, hein, de tellement de façons encore, nous sommes résistants, nous sommes hésitants à faire la volonté de Dieu. Après sémané, vient la croix. Sur la croix, Jésus prie encore Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Père, je remets mon esprit entre tes mains. La toute dernière parole de Jésus avant sa mort est une prière. Le Fils de Dieu meurt en priant. Nous voyons par ce rapide survol à quel point la prière était super importante pour le Fils de Dieu. Nous qui sommes ses bien-aimés, qui sommes appelés à lui ressembler, nous devons aussi considérer que la prière est très importante pour chacune de nos vies. On ne peut pas s'imaginer que nous avons moins besoin que Jésus avait de prier, ou que nous sommes plus forts que lui. Nous avons absolument besoin de reconnaître l'importance de la prière. Et si nous ne cherchons pas continuellement les secours d'en haut par la prière, eh bien, notre vie, notre vie est sans ressent et nous pourrions nous diriger vers un naufrage spirituel, ce que nous ne voulons pas du tout. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ils travaillent, ils bâtissent, ils font des efforts, ils suent beaucoup, ils font des plans, mais c'est en vain. Nous ne voulons pas que nos vies soient en vain, nous ne voulons pas que nos efforts soient en vain. C'est pourquoi nous accordons à la prière une place que nous voulons toujours plus considérable. Donc notre Sauveur a beaucoup prié. Il nous a donné un exemple afin que nous fassions comme lui. Imitons-le, dit l'apôtre Paul, désirons devenir conformes à lui, ayons en nous la pensée qui était en lui. Il nous a laissé un exemple, dit Pierre, afin que nous suivions ses traces. Jean dit, marchons comme lui, il a marché. C'est en regardant la vie de prière de Jésus que nous trouvons le plus grand encouragement pour nous à prier. Ce n'est pas notre société qui nous encourage à prier. Au début du mois de mai de cette année, des députés du Parlement canadien ont donné l'assaut contre la prière de 28 secondes que le président de la Chambre des communes dit au début des séances du Parlement, une prière courte, une bonne prière, une bonne, grosse prière solide, là que le président dit depuis 1877. Et un groupe de députés ont dit, ça n'a plus de bon sens, on va abolir la prière, on va l'éliminer. C'était leur mot qu'ils ont utilisé. Leurs arguments étaient les suivants. La prière nous rend inconfortable, Ce serait mieux un moment de recueillement ou de réflexion. L'État doit rester neutre. La société évolue, elle change. C'est inacceptable que la prière soit encore présente dans la plus grande institution démocratique canadienne. La prière appartient à une autre époque. L'abolir serait la solution idéale. L'archevêque de Gatineau de cette région où se trouve. Le Parlement a dit, c'est vrai, cette prière n'est pas nécessaire. Un moment de silence ferait très bien l'affaire. Et pendant des jours, on nous parlait de cette affaire-là aux nouvelles. Et le vote a eu lieu. Finalement, 266 députés ont voté contre l'abolition de la prière et 56 pour l'abolition de la prière. Donc, la prière se continue. Et ce qui m'a frappé le plus, c'était ces mots. La prière appartient à une autre époque. Beaucoup de gens pensent que la prière, c'est quelque chose qui est vraiment passé d'être qui n'a aucune utilité, c'était pour une autre époque. La réalité est tout autre. En vérité, la prière est le moyen par excellence qu'ont les croyants pour recevoir de Dieu tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir glorifier Dieu par leur vie. Dieu a promis d'envoyer à ses bien-aimés les secours de sa bonté et de les envoyer en réponse à leurs prières. C'est quelque chose d'extrêmement réjouissant de savoir que Dieu nous entend, nous écoute toujours. Il y a toujours du temps à nous consacrer. Dieu n'est jamais trop occupé pour prêter l'oreille à ses enfants. Dans tous nos besoins, il a toutes les ressources dont nous avons besoin. Il n'y a jamais une situation qui oh, surpasse les ressources de Dieu. Quand les ennuis viennent frapper à notre porte, nous pouvons toujours aller frapper à la porte du Seigneur. C'est ce qu'a fait un jour le roi Ézéchias. En Ésaïe 37, nous est raconté l'histoire du roi Ézéchias qui reçoit une lettre de menace, de mort d'un autre roi. Nous lisons en Ésaïe 37, « Ézéchias prit la lettre ». La lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. On pourrait quasiment essayer de paraphraser ce qui se passe, et c'est comme si Ézéchias va au temple et dit Seigneur, m'excuse, mais j'ai ouvert ton courrier par mégarde. Cette lettre n'est pas vraiment destinée à moi, puisque c'est toi qui es attaqué. Par ce roi alors voici voici les menaces que j'ai reçues voici les menaces de ce roi impie contre toi contre ton peuple veux-tu t'en occuper il a déployé la lettre devant l'éternel et si vous connaissez l'histoire qui suit le seigneur a exaucé la prière d'ézéchias et a répondu d'une manière glorieuse en détruisant les ennemis la prière est le pont entre la panique et la paix une vie sans prière est une vie sans paix une vie sans prière est une vie sans puissance. C'est dans le calme de la prière que se porgent les grandes obéissances et les triomphes sur le péché, sur le mal, sur l'ennemi. Pri la prière est l'endroit où les fardeaux changent d'épaule et le Seigneur a des épaules très solides. N'hésitons jamais à décharger sur lui tous les fardeaux, toutes les inquiétudes que nous avons. L'aide de Dieu est seulement à la distance d'une prière. La prière apaise nos âmes. Les prières quotidiennes diminuent les inquiétudes quotidiennes. C'est étonnant tout ce qu'on peut voir quand on se ferme les yeux pour prier. Par la prière, nous devenons beaucoup plus attentifs à Dieu. Le temps passé dans la prière n'est jamais un temps. Perdu, c'est toujours le temps le mieux investi qui soit. Lorsque nous avons besoin de Dieu, Dieu répond toujours présent. On ne peut jamais dire Ah, oh, il n'y avait pas de réseau. Non, le Seigneur est toujours là. Aucune requête n'est trop petite ni trop grande pour lui. En conclusion, slackons c'est un drôle de mot slacker, hein, slackons les textos. Et surabondons en prière. Si ça vous aide d'appeler vos prières, des textos à Dieu, parfait, pas de problème. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais assurons-nous de prendre la prière au sérieux parce que notre Sauveur nous a montré par son enseignement très clair et par sa vie merveilleuse que la prière est très importante et comme il a dit en Luc 18, 1, il faut toujours prier et ne pas se lasser. Amen.